Je lui ai tout donné, frère. Et lui m'a mis dans la sauce. Mais je sais pas si je dois lui en vouloir. Si je dois le remercier. Je sais pas comment t'expliquer. Je peux vous aider, monsieur? Je peux Pardon? vous aider, monsieur? Non, j'aimerais juste savoir si vous allez pas aux Bahamas par hasard. Absolument pas, non. Non, d'accord. Pour le moment, en tout cas. Pardon, vous pouvez répéter? Jack, il va pas se cuiter ce soir. Ok, j'ai encore besoin de monde. Tu vas aller où? Où tu veux. Faudrait déjà que le mécano ramène son cul. Bah, il est là-bas, là, tu enfin, vois. voilà. Bonjour. On m'a arraché ma portière quand je suis arrivé. Vous avez pris quelque chose ou pas pour me la réparer sur place? J'ai la haine, regardez comment on se fixe. En fait, Derek, il sait que quand je mets mon jogging, c'est que ça va partir en bagarre. Il a fini avec ton tas de boue. Ah, c'est pire. Voilà. Choupe en liquide. D'accord, ah, ça fera 5 ans. Tiens. Ah. Il manque de l'argent là. Comment ça, il manque de l'argent? Je vous ai donné 150. C'est pas 150, c'est 180. 180? Oui. La ville c'est 180 et voilà. Il me manque, voilà. Merci. Tiens. Merci beaucoup. Merci. Là, je parle pas, les gars, je lui parle pas. Je lui parle pas, je reste muet. Hors de question que je lui parle. Ah, je suis vert. Comment je vais faire? Je parle pas avec lui. Hein. Non, ça va pas être froid, on va parler comme des hommes. Jake, il parle comme un homme avec Derek, il parle pas comme une. Comme une. Tu sais, il fait pas de raccourcis ou tu vois. Il va droit au but. Tu m'as pris pour un putain de cheval? Putain les gars, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Wow!
Tu m'en emmènes par là ou tu m'emmènes faire une partouze là, je comprends pas. T'as dit quoi? Tu m'emmènes par là ou tu m'emmènes faire une partouze? C'est toi qui voulais me parler tout là, dans un endroit tranquille. Dans un endroit là, tranquille, tranquille, non? C'est une partouze. Tranquille, y'a des ouvriers, y'a. Je sais pas. Bah, on va derrière. Pas te manger, tu peux t'approcher. Toi aussi, tu peux t'approcher. Je veux pas te manger, mais on sait jamais. Faut toujours. On sait jamais avec toi. Ah bon? Je suis quelqu'un de fourbe, moi. Dis-moi. Je m'explique ton pétage de plomb d'hier dans un premier temps. Tu sais très bien. De base, c'était pas contre toi. C'était contre May. Tu sais très bien qu'elle m'énerve à chaque fois. J'étais pas d'humeur. En plus, j'avais mal au crâne. Ensuite, toi, comme toujours, tu la suis comme toujours, tu la défends toujours. Voilà, après tu me fais va te faire enculer, tu me bloques. On vente juste avant que tu me bloques, j'ai parlé avec Honoré, il m'a dit des trucs. Il m'a dit que ça avait caché des choses, que ça avait menti. Est-ce normal? J'étais pas au courant de tout ça, moi, tu vois. Je sais très bien que t'étais pas au courant. Bah alors, pourquoi est-ce que tu es venu me péter les couilles à moi, tu m'expliques? C'est toi qui m'a bloqué, qui m'a dit va te faire enculer. Est-ce que tu sais à quel moment je t'ai dit ça? Parce que je vais te rafraîchir la mémoire. Je sais exactement quand tu m'as dit ça. Voilà. Au moment où mais t'as j'étais qui quand même pète un énervé contre plan, toi, sachant que tu moi, préfères à deux chaque minutes. Fois, sachant qu'à chaque fois tu préfères défendre la copine, aller toujours dans son sens. C'est faux. C'est tout, c'est comme ça. Si, hier, c'est si, faux. Si, tu t'as été dans son c'est sens, faux. Tu. Combien de fois devant toi je vais dans son sens et derrière toi je vais dans ton sens? Tu sais pas tout ça, Derek. Bref, quoi qu'il arrive, c'est pas ça le sujet là. J'essaie de retourner la situation, t'es fort je comme retourne ça. Pas la situation dans tous les cas, je suis plus avec elle, je m'en bats les couilles. Je sais. Enfin, c'était je avec m'en bats les elle couilles. Quand elle t'a appelé. Tout est relatif. Au moment où j'avais plus besoin de toi, t'as pas été là, Derek. Je suis toujours là, mais ça Non, c'est préfère. faux. Hier, quand j'étais avec Honoré, Honoré il s'amuse à me donner des ordres, j'étais même pas au courant. Il m'appelle, il me dit plus que 2 minutes. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'arrive sur la position, il est plus là. Il a Quand je t'appelle changé, toi et Jake. qu'il me crie dessus en me disant c'est moi qui décide, je vois pas quel est ton souci. Bref, écoute-moi. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Ce qu'il t'a dit, ce qui s'est passé? Est-ce que tu veux que je te dise moi ce qui s'est passé? Ou tu préfères que je l'appelle et qu'il te le dise de sa bouche? On a besoin de moi à l'hôpital, il va falloir que j'y aille. Quoi qu'il arrive, Derek. Je t'en veux même pas. Et je sais pas qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour aller dire à May ce qu'on avait fait à cette espèce de sous-merde. Tu sais ce que je pense? C'est que dans Non, une mais tu vas me dire. famille, dans une vraie famille, surtout quand il y a des piliers comme toi, moi et May, se cacher des choses, faire des cachotteries. Mais il y a des choses Ça qu'on peut doit qu'être cacher, Derek. Il y a des choses qu'il faut qu'on Non, cache. c'est pas Si. comme ça que je vois les choses. Si. Pour le bien de la famille, on est obligé de cacher ces choses-là. Tu sais quoi, je lui... Et là, le Tu sais résultat quoi, des je lui courses, en ai Derek, voulu écoute-moi. d'avoir caché ça. Écoute-moi. Dis-moi, dis-moi. Le résultat des courses, c'est que la famille, elle est déchirée. Il n'y a plus de May, il n'y a plus de moi. Il n'y a plus d'Honoré, il n'y a plus de toi.
Voilà pourquoi est-ce que ces cachotteries-là, elles auraient jamais dû revoir le jour un jour. C'est pas parce que je lui ai dit ça que t'es plus avec elle. Elle t'avait quitté bien avant. Je sais bien. Mais tu ça vois. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais une famille, une vraie famille pour fait une chose qu'elle m'avait faite. Mais parle pas de vraie famille, Derek. Une vraie famille, ça se cache rien. Et depuis le début, ose dire qu'on n'a pas fait que de se cacher des trucs les uns les autres. La meilleure des choses à faire, Derek, c'est de jamais rien dire. Et je crois que j'ai jamais été fait pour être dans une famille. Non, c'est moi qui aurais jamais dû. Mais il a commencé à me casser les couilles. T'as pas vu, je me suis remis en noir. Avec ton pantalon taché de sperme. Y'a que celui-là me fait pas chier. Bref. C'est mieux comme ça maintenant. Faut vraiment que j'aille à l'hôpital, il y a eu un acte terroriste, apparemment il y a des explosions. Ramène-moi. Ok, avale s'il te plaît. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Ça va, Asfire? Tu vas bien, mon ref? J'ai besoin d'une personne dans le hall, une personne s'est écroulée. Une personne 0% très, j'arrive tout de suite, je suis là dans 200 mètres, tout de suite. Ah, mais merde, vu qu'on la crache, j'ai plus ma tablette. Mal, donc il m'a dit que c'était pas très grave, mais là il vient de s'écrouler à l'hôpital. Donc, si est-ce qu'il y a, une personne qui peut venir s'en charger tout de suite? J'arrive, j'en vois plus. Tessa, reste couché, tu peux pas, t'es alité, tu viens de te faire opérer des poumons, reste au lit, j'arrive. Je sais, mais c'est la vie. Je suis désignée pour soigner des gens. Ah, mais non, vas-y. Comment il va? C'est qui ça? T'es ça, je vais te coucher s'il te plaît. C'est à Darkseid? C'est pas grave frérot. T'as raté plein de trucs mon Darko hein. T'as raté plein de trucs Darkseid. Ça va, hein? Si c'est 3, si c'est 3, dites-moi comment je peux vous aider. Donc 9 points de suture. Il y a un de nos amis qui sont. Il y a un de nos amis qui est au bloc qui s'appelle Ethan. Je ne sais pas si vous êtes un médecin. Si vous êtes un médecin compétent. Je vous remercie. C'est le monsieur qui s'appelle Ethan? C'est ça. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'il y a? Faites-moi un topo. Ah, sans nous, justement. Un hématome. Juste un hématome? Mais un gros. Non, non, c'est pas un hématome, ça, à vue d'œil. Il faut l'emmener au scanner tout de suite. On fait un scanner de la jambe. Ça, c'est pas un hématome, les gars. C'est loin d'être un hématome. On l'emmène tout de suite. Allez, on l'emmène. Non, ça m'a l'air trop froid, en fait, parce que les vêtements, il paraît que c'est beaucoup douleur. Il a mis sous antidouleur. Non, qu'on a tout enlevé, il y a certains bouts, ouais. J'ai eu la perfusion, oui. Des bons bandages. Allez-y, installez-le. Allez-y, monsieur, on va installer-le. Je vous hésite de faire un scanner, pas une radio. Un scanner? Oui, c'est un scanner qu'il faut faire, là, c'est pas une radio, là, c'est pas les os.
suis en train de suspecter une hémorragie interne au niveau de l'artère fémorale. Vas-y, monsieur. Ouais, t'inquiète. Là, tu vois, on enlève tout, donc c'est-à-dire qu'il faut plus que ça se mette en place. Est-ce que tout se passe bien, s'il vous plaît? Je retrouve la personne et après les autres, je n'ai pas d'informations. Ça se passe bien pour les grands moyens. Ouais, on dirait le McDo, frère. On dirait le McDo quand les frites elles sonnent. Ok, c'est bien ce que je pensais. Faut l'homme de bloc opérateur tout de suite. Les hémorragies internes au niveau de l'artère fémorale. Wesh. Allez, c'est parti. Okay. Oh, t'es la poutine. Je fais le nœud. Ah, mais faut que je vous mette en train de travailler ta carte. Allez, aide-moi à lui enlever son pantalon. Ok, c'est pas les couilles, déchirez-le, on a pas le temps. Ah oui, bien sûr. Hop. Ok. Est-ce que là, ça, c'est tout bon? Non, c'est loin d'être bon. Ok. Tu me tiens au courant? Ouais. 15 pour 02, je suis disponible, terminé. 59 pour 15, est-ce que tu me reçois? Ah, regardez. Ok. Ok, merci, j'arrive. J'aurais besoin de vous entendre, tu me passes le bistouri, je te reçois. Radio 01 pour central, je me mets off radio pour une opération. Merci. Voilà. Putain de merde. J'en profite pour manger ma compote. Hein. Compote de pomme, les frérots sans sucre ajouté. Que les sucres naturels de la pomme. C'est bon ça pour la santé. Faut manger bio les refs. Ok, aspiration s'il vous plaît, faut aspirer les fluides. Ok, aiguille courbée numéro 4, s'il vous plaît, faut suturer l'artère fémorale vite, sinon on va le perdre. Allez, on est parti. Ok, ça dit, sinon dans le chat, les refs. Tenez, compote, c'est la voilà. Vie. Voilà. Pas de soucis. Il y a des extinctions de voix des fois, je sais pas pourquoi les ratons. Allez, je vais prendre son doigt quand même. On va vérifier. Je suis dégoûté, j'ai pas pu faire la scène correctement avec Derek parce que j'avais la pression de l'hôpital. Ah, je vais partir pour mes appels, non? Ok, faut cautériser. Là, c'est bon, le cautériseur. Tenez. Merci. Ah. Tenez. Parfait, merci. Loulou, merci pour ton follow, Loulou la best. Comment ça va? Attends, j'ai un problème, j'ai fait une sieste. Je reviens. Tenez. Merci. Ça va, merci, ça va nickel.
Vérifier ces constantes. On est bon. Super. Ok, c'est bon. Super, je vous laisse terminer, monsieur Lonsdale. Je peux vous laisser lui laisser faire le bandage, je peux vous laisser lui faire le bandage ou quoi? Bien sûr, ça okay, va toi. Ok, dès que c'est bon, vous me le mettez en salle de réveil, c'est réglé, ok? Ok. Merci. Bah. Au fond, à droite. Tu me remettras en radio au cas où. Ah ouais, bah oui, monsieur. Excusez-moi, docteur. Oui, docteur. Ouais. Donnez-nous des nouvelles, s'il vous plaît, docteur. Je me suis occupé de votre monsieur Ethan. Ah oui, Jack, dis-moi tout, Il s'avérait qu'ils ont cru au départ que c'était un simple hématome, mais quand j'ai palpé, je me suis rendu compte que c'était bien plus grave que ça. Ouais, vas-y. Il avait une hémorragie interne sur le niveau de l'artère fémorale. Il avait une légère Oh, merde. Vous avez opéré? Donc j'ai opéré, rassurez-vous, il va bien, il est stable, ok? Waouh, putain. Est-ce qu'on peut le voir, monsieur le médecin? Le temps qu'on vous le mette en salle de réveil, une fois que c'est fait, c'est bon. Okay. Ah bon, je peux aller voir Owen? Alors pour ce qui est d'Owen, je vais aller voir ce qu'il en est, parce que malheureusement, je peux pas être un peu partout, vous voyez? Je sais qu'il a perdu du sang, Merci Jake. Ne vous inquiétez pas, je fais ce que je peux. Merci, docteur. Vous êtes rassurant de venir nous voir, docteur, merci. C'est normal, bon, du coup, je suis désolé, mais vraiment, il va falloir que je vous laisse, faut que j'aille m'occuper. Ouais, on bougera pas, on restera là toute la nuit. Merci, Jake, encore. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Voilà, je me m'occupe rapidement. Merci, Jake. Akane. Ça va, je suis désolé, faut vraiment que j'y aille, j'ai plus du pain sur la planche, là. Faut que je te parle, de toute façon, vas-y. Vas-y, juste un petit peu après, ok? Attends. Vas-y, ça. 01 pour Central, est-ce que quelqu'un s'occupe d'un certain Owen ou pas? Il est en salle de repos. Et j'ai déjà dit à ses amis qu'il allait bien, donc ça va. Tessa, va te calmer, va te coucher, s'il te plaît. Je m'en occupe. Je prends le relais. Ça va pas me réouvrir mes plaies, le fait que je mets du tulle gras. On est en train de mettre du tulle gras, et dès qu'on a fini, on met les bandages et c'est fini. Ok. C'est presque terminé, t'inquiète. Un petit carré de 10 cm au niveau du bandage. Je vais les voir, vous inquiétez pas. Ah non, je vais bien. S'il vous plaît. Le monsieur, il sent plus ta jambe. Pour monsieur Owen, il est en salle de repos, vous pouvez d'ores et déjà aller le voir et je vous apporte monsieur. On peut y aller à combien? Merci. Il n'y a pas de limite, prenez, c'est votre famille, c'est votre ami, vous pouvez y aller autant que vous voulez. Merci docteur, vous êtes bien gentil. Je vous accompagne, venez quoi. Allez. Jack pour 29. Ouais, je crois. Mais moi hier j'étais Khabba, tu peux pas m'en souvenir, Xilox. Ils seront contents de voir du monde autour d'eux. On est rentrés tous, docteur. Y a un monsieur, ils sont plus sa jambe. C'est qui? Justement, c'est pour ça que t'as fait un peu de monde, c'est mort. Je vous pique le nounours pour l'offrir. Oui. Avec vous tous. Monsieur. Mettez-vous dessus, alors je vous. Vous sentez plus votre jambe? Owen, ça va Owen? Non. Qu'est-ce qui t'arrive? À qui je vais l'offrir? Mais faites quelque chose, docteur, ils sont plus sa jambe. Juste un petit instant, vous inquiétez pas, ça va aller. Je sentais pas la douleur tout à l'heure, j'avais même pas vu que mon bras était ouvert. C'est la dernière ligne, vous inquiétez pas, je vais regarder le reste. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un monsieur? J'ai l'habitude avec le cochon. J'ai mal. C'est Manae, si jamais, je sais qu'on se connaît pas beaucoup, mais. Quand je pense votre mollet, vous sentez ou pas? C'est des jambes que tu sens plus. Allez, Ethan. Courage. Ouais, je pense derrière le genou, vous sentez ou pas? Tu m'as fait une petite chemise, t'as 40 balles, enculé. Quand je pense derrière le genou, ça vous sentez?
Bon, Ethan, là je vous pense la cuisse, vous sentez? Mesdames et messieurs, parlez un peu moins fort, Ethan. Moi je parle pas fort. Ah, mais c'est un groupe, c'est qui? Ouais, ouais, tu vas y arriver. Vous me le prenez, vous me l'emmenez en scanner tout de suite. De toute façon, t'as intérêt dans un tour. Tout de suite, scanner. Comment je suis, dites-moi, j'ai pas vu mon corps encore, je suis complètement... Eh, Wayne, vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Si tu meurs comme ça, je te la reprends. Merci, Wayne. C'est certainement dû à l'anesthésie, je vais regarder un petit peu ce qui se passe et en fonction d'eux, je vous dirai. C'est elle, la madame de monsieur. Ça va, Ethan. Je reviens jamais pour les nouvelles. Merci, monsieur. Je vous en prie. Merci, docteur. Monsieur, vous avez pu... Ah, ouais, ça va. C'est la merde là à l'hôpital. Pourquoi il avait oublié ici? Je vous mets sur la petite table. Voilà. Alors, est-ce que vous avez quelque chose? C'est la Horda à l'hôpital des refs. D'accord, parfait. Oups. Juste, je vais couper votre pantalon. Moi, je suis vraiment désolé, mais pour le bien de ça. Oups. Voilà. J'ai pas. Voilà. Voilà. Bon. Voilà, t'as juste à lancer. Ouais. Vous avez juste à lancer. Oh putain. C'est lancé. Vous l'avez mis quoi comme anesthésie, juste pour savoir, Oclet? Anesthésie pour le bras, en fait il a eu une ouverture. Bertox, merci pour ton frottard, merci pour ton follow. Locale, au niveau du bras, et là du coup il a mal à la jambe. Moi je comprends pas. Non, il sent plus sa jambe, c'est ça que je comprends pas. Ouais, moi non plus. Mais c'est pour ça que j'ai appelé direct, parce que là moi. Vous lui avez mis quoi comme anesthésie? Faut que j'aille regarder, je vais pas me mentir. Je consulte mon rapport. Ok, merci. Ouais, il fait le décompte jusqu'à 800 follow. Ok. Rien n'est révélé sur le scanner, donc il n'a aucune lésion. Ok, là, je remonte parce que j'en ai plus peur. Selem, Samy, ça va comme ref? Ok, parce que si vous lui avez mis du propofol, c'est pas bon, les gars. Peut-être qu'il fait une réaction allergique. Monsieur? Vous en faites pas, c'est tout à fait naturel. Vous avez absolument rien. Tout ce qui se passe, c'est normal. Je vous explique. D'accord. Vous avez été opéré, d'accord? Oui. Et vous faites juste une réaction à l'anesthésien, c'est tout. D'accord. Donc vous inquiétez pas, d'ici une heure maximum, vous aurez retrouvé la sensation sur votre jambe. D'accord. D'accord. Je vais vous remettre en salle de repos pour que vous puissiez aller voir vos amis. Ça marche. Je vous emmène. Ça va, Samy, la pêche, mon ref? Alors, je demande à tout le monde de sortir, s'il vous plaît. Vous pourrez voir tout le monde après. Merci. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment ça va? Ça va, c'est juste une réaction à l'anesthésie, c'est rien de bien grave. D'accord, ouais, c'est... Ouais. Oui, je suis là, Wayne. Bon, faites pas tout, Ben Ali. Je demande à toutes les personnes si les gens qui sont médicales, je vais aller à l'hôpital. Monsieur Brad, vous pouvez aller à l'accueil, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui a fait un appel, il y a besoin de quelqu'un à l'hôpital. Mais tu vas faire dans ce stade, t'as fait longtemps, t'inquiète. T'inquiète pas pour moi, j'ai signé pour sauver des vies, pas pour prendre les rênes dans une chambre. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis blessé, mais je t'assure que je vais pas ouvrir mes poings, je force pas, ok? Ça va, monsieur? Laisse-moi soigner les gens, c'est mon métier, c'est mon devoir. Okay. Vous avez besoin de quelque chose, de l'eau? Foramax, merci pour ton follow.
Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Il va bien, ne vous inquiétez pas. Ok. Je vais voir là-bas. Monsieur. Ok. Combien déjà Thomas tu fais le paquet de chou? Oula. Est-ce que personne ils sont dehors? Tu m'as dit quoi? Je vous laisse du coup okay, votre carte vitale. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour 44? Ouais, moi. Alors pour 44, ben ça va tout. Enfin, il est heureux, il va. Ah, c'est bon, il t'a dit. Bon, ben, c'est moi qui me suis occupé d'Ethan. Merci. Donc il a été soigné, on est d'accord? Merci pour Ethan. Oui, je l'ai opéré. Il a été opéré tout. Mais si tu peux le dire. Hein. Je comprends plus rien aux appels. Oh Yann, c'est mieux. Non, c'est... vous êtes pas de la police. Bon bah non, c'est bon, c'est juste. Voilà. Mais allez la police. Ok ok bah parfait. C'est ça. Je prends le dernier appel okay, terminé. Je savais pas. Okay. Peux vous aider monsieur? Non c'est bon, j'attendais mes collègues. Ok. Ah bonjour. Ouais. Et t'as niveau sur bah, un petit peu de repos déjà et on verra un petit peu après. Ok. C'est plus de quoi? Tu vois quoi? Ah, je suis changé, t'inquiète. Je veux un cigare, moi. C'est pas d'une clope ou d'un cigare que j'aurais besoin. Et quoi? C'est ni d'une clope ni d'un cigare que j'aurais besoin. C'est quoi? On voulait un petit verre de quelque chose? Non, non, c'est bon. Une cuite, pas de. Ah bon, docteur? Ah, mais non, c'est vrai, le docteur en plus, je vais pas vous donner une bonne. C'est bon, il va courir après hier soir, c'est bon. Ouais. Du coup, c'est quoi le dernier c'est appel? C'est vrai, t'es sérieux, t'es l'auto. Oui, enfin, 0-1, enfin, 0-2 pour 0-1, tu peux venir. 30 minutes, frère. 15, j'ai pris le dernier appel, terminé. Ok, au-dessus. Jack, tu peux venir s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Vas-y. T'as pas l'air d'aller avec elle. C'est la vie, hein. La vie continue, quoi qu'il arrive. Bon, allez, j'y vais. Vas-y, courage. 01 pour 02, Théo. Un de mes employés terre au Bahamas, ça c'était un ancien appel, c'est ça, on est d'accord? Ouais. Bah vous me supprimez les appels, bah attends. J'ai essayé, mais après il y en a, ils sont pris en fait, et du coup si je les supprime, on peut plus les prendre après. L'employé au Bahamas, non, c'est bon, attendez. Attendez, je suis en train de le faire. Ah ok. Le dernier appel qui a été dessus? C'est 15. Ah, c'est 15? 15, il y est là en fait, je sais pas. Ah, il y est, l'appel. Bon bah laissez l'appel jusqu'il revient. Ok. Oui, Jack, je voulais te voir, viens. Est-ce que tu peux aller voir le monsieur Ethan pour lui expliquer justement ce qu'il a eu et ce que tu lui as fait, s'il te plaît? La bouclette. Merci. Le monsieur de la pète, c'est bon, ça s'est bien passé? Ouais, c'est bon. Parfait. Frère, elle me parle comme si de rien n'était, ça lui fout la mort. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Est-ce que ça va mieux? Oui. Monsieur Ethan, vous m'entendez? Oui, derrière. Vous avez mis merci pour ton follow. Oui. Vous m'entendez, monsieur Ethan? C'est sûr. C'est oui. John ici. Bah, écoutez, monsieur John, pardon. Bon. Mais tout à l'heure, j'ai parlé, il répondait pas. Mais il faut que j'aille voir M. Ethan. Vous allez pouvoir vous lever doucement, faites attention, vous pouvez avoir la tête qui tourne. C'est qui, c'est M. Ethan, ça? C'est ça, il veut voir M. John. Oui, c'est ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Certains de mes employés ont pris pour ce qui était quelque chose de très grave pour quelque chose de bénin. Vous étiez censé avoir juste un hématome, mais je me suis rendu compte en palpant que c'était loin d'être un hématome. Vous aviez juste une hémorragie interne au niveau de l'artère fémorale qui était légèrement entaillé, ce qui faisait que votre sang s'écoulait à l'intérieur de vos membres. Donc j'ai dû ouvrir, opérer, cautériser. Ne vous inquiétez pas, votre état est stable. Okay. Merci docteur. Ne me dites pas merci, je fais juste mon travail. Merci. Je vous en prie docteur. Je l'ai appelé docteur. Hein. Okay. Maintenant reposez-vous, vous allez avoir besoin d'un petit peu de repos. Très bien.
Vous voulez me parler, Bouclette? Non, par contre, prenez une pastille, c'est horrible. C'est pas lui que vous vous êtes occupé. Hein? C'est pas de lui que vous vous êtes occupé. C'est lui que j'ai opéré. Non. C'est qui? C'est qui lui alors? C'est pas moi qui me suis occupé de lui. C'est le monsieur là-bas. Celui-là, c'est moi qui lui ai occupé. On va donner lui ce qu'il est, dites-lui ce qu'il a. Mais attendez, vous lui avez dit quoi? Je jure. Je lui ai dit que je l'avais opéré au niveau de la jambe que... Mais non, vous l'avez pas opéré, je vous jure. Lui, en fait... Bah oui, non, mais c'est parce que j'ai confondu, excusez-moi, on a eu tellement de trucs, là... Allez-y, faites-le tout pour moi. Bon, c'est le monsieur chaud, là, avec les bandes à main. Non, désolé, c'est juste qu'en fait, les personnes que j'opère, en général, elles sont toutes nues. Normal. C'est juste que... Quand ils sont habillés, ils ne connaissent pas forcément. C'est pas ton patient. M'excuserai. Je suis un petit peu... fatigué. Hein? Putain de merde. Allison a autorisé son rentrée pour aider 44 à se réveiller, donc Coma, faut que tu stimule sa mémoire. 44 de... Ouais, tu veux avoir que tu mémoire. Je peux y aller avec ou pas? Ouais. J'ai que tu regardes à tes sœurs, s'il te plaît. Tu vas mieux, toi? Toi... Tu devrais aller te reposer, je te l'ai déjà dit. Je suis pas repris, ça. C'est ce qu'on dit, hein, Tessa, non? Et Jake? La vie, c'est une grosse tartine de merde et chaque matin, on en mange un morceau. C'est vrai. Et quand on est au dernier morceau, ben... Venez vite dans la salle, vu la manger. Ouais. C'est ce qu'on dit, hein. Jake, May, venez vite. On va demander à... Excusez-moi, on appelle la radio, faut vraiment que j'y aille. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui. On peut retourner voir Ethan ou c'est pas encore... Oui, allez-y. On y va. Merci Jake, merci pour tout ce que tu fais. Vous êtes où? Dites-moi tout. Elle est là, salle de repos, viens. Vite. Attends, je monte sur... Je monte. Ramène le défibrillateur, putain, je sais plus le dire. Deux. Vous me dites. Une. Ah. Tiens, défibrille. Ouais, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est le truc qui va sonner. Je l'ai mis en coma artificiel. Au début, il était en arrêt cardiaque. Je l'ai mis, suite à ce boulot, j'ai mis en coma artificiel. Ok. Moi, c'est la machine chargée de son après, je sais pas. Attention, chargé. Stop, mais tu vas te prendre un coup de dégagez. Dégagez. Donc, on continue, mais c'est qu'on continue. Je peux pas le faire. Je reprends. Si je le fais, je reste en mode. Après, je prends le relais. Je reprends. Allez. 15, allez, ici 15, je ramène ça comme ça, il a eu un grave accident en véhicule terminé. Dès que je suis sur le chemin du terminé. Ok, 230, dégagé. Ok, est-ce qu'on a un pouls? Je crois qu'on a un pouls, Ok, vous me mettez sous morphine un petit peu de propofol. C'est bon, Arrête, tu veux casser une côte. Ok. Tu lui mets de l'adrénaline en plus et au moins elle est réveillée. Tu lui mets une piqûre d'adrénaline. Il est dedans, pas besoin de le remettre au coma. Il sort de son coma, juste c'est trop dangereux. Si on le remet dans le coma, il est d'énormément souffrir. Hein. La morphine, je suis pas sûr que morphine. Ça va. Morphine. J'ai un problème ici coma. Aussi, les gars. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Arrêt cardiaque pour lui aussi. Ok. Oh, vas-y, ils abusent. On attaque massage cardiaque. Allez. Ok. Tiens, les palettes. Bon, vous voulez qu'on vous laisse? Je prends un. Allez. Les mecs, ils savent pas jouer par contre. Tu fais un arrêt cardiaque, t'avais juste une artère fémorale qui était entaillée, frère. C'est n'importe quoi. Ça va aller. Comment ça irait bon? C'est n'importe quoi. Je suis là, vous inquiétez pas. Allez, monsieur, restez avec nous. Owen, restez avec nous. Allez. On peut pas perdre quelqu'un. Wilson, 44. Allez, monsieur.
Je sais pas quoi dire, les gars. Le mec, il est là. Allez, je sens aucun. Ah, ça y est, rip check. On y va. Ouais, alors, ça va? Ok, j'ai le défibrillateur. On se donne le défibrillateur, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Attendez, madame. Vas-y, mettez-lui les pattes. Poussez-vous juste un petit instant avant le défibrillateur. Attendez, je vous sens. Attends avant le défibrillateur. Poussez-vous. Attends avant le défibrillateur, s'il te plaît. Oui, je m'occupe de lui, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Tu peux revenir après? Oui, tu peux revenir. Poussez-vous, madame. Tu m'appelles, viens chercher. Attends avant de mettre un coup de défibrillateur, s'il te plaît, Lonsda, je te l'ai dit trois fois déjà. Oui. Allez, monsieur. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Mais ouais, mais Zabi aussi. Défibrillateur, Lonsda. Vas-y, madame. Allez-y. Attention, on va pas prendre. C'est bon, on a repris un point. Non, toujours pas. Non, il y a toujours rien. C'est un cauchemar ce soir. Toujours rien. Tu décharges, tu défibrilles la 260. Si vraiment il revient pas, on peut rien faire pour lui. Vas-y, j'augmente. Ok. C'est parti. Ethan, t'as intérêt. Tu nous entends. Madame. Allez, vas-y. Bon, alors. Ouais. Pour 44. Pardon, excusez-moi, je vous ai pas vu, c'est juste derrière moi. Je suis désolé, mademoiselle. Désolé. Heure de la mort, 23h50. C'était quoi son nom? Pas à peine d'être John Time. John quoi? John Time. Ok, vous notez s'il vous plaît. Je vais faire un acte de décès, je vous en prie. Ils veulent pas que je vienne, Owen. Jake, viens faire passer ce que j'ai, s'il te plaît, je peux pas le faire. Vas-y, vas-y, c'est trop. Je veux plus personne dans la salle, s'il c'est trop, vous plaît. Là c'est trop, là ils abusent. Ils veulent nous faire ce soir, je crois. Vas-y. Allez, Tan, putain, tu vas te réveiller, hein. Allez, Tan. T'es prêt? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je charge à 200. C'est parti. Dégagez. On a repris un pouls. Ok, on a un pouls. Okay, on a un pouls. Putain. Bon, alors. Non, pas du tout. Il y a toujours des personnes. Allez, Tan, tu restes avec nous. J'ai déjà mis une piqûre d'adrénaline, je peux pas en lui remettre une autre. Non, c'est trop. Owen, comment tu te sens? Par contre, c'était qui la personne qui est décédée? La chambre 369 n'allait pas dedans. Jake, c'est mon. Jake, calmez-vous, Jake. Allez, on a besoin de vous, arrêtez. C'est ma faute. Non, c'est pas de vous. Laissez-moi. Les personnes qui vont bien et qui se sentent bien, je veux que vous les mettez en chambre pour que leur famille puisse aller les voir. Je veux personne en salle de repos, s'il vous plaît, merci. Je suis un médecin incompétent, Zepi. Ouais, c'est bon. Casse les couilles, les rêves, Zepi, casse les couilles. Bon, là, je vous cache pas, j'espère que May elle va venir. Fais attention, toi, mon frère. Tu dois venir plus tard, tu dois venir demain. Hein. Rappelle, demain, il y a la feuille. Hein. Fais attention, toi, c'est fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour le monsieur de John? Je sais pas, il a fait un arrêt cardiaque. Je pense apparemment, qu'il est mort, on a tenté terroriste. Là par contre j'ai une personne qui est en train de cracher du sang là. Qui? Je sais pas, monsieur. Ton patient est ça. Les gars, prenez pas le dernier appel, ça a l'air d'être une blague. Ici 15, est-ce qu'un bloc est disponible? Oh, c'est bon, merci. Oui, un bloc disponible. Bon bah Jake, coup prendre une voiture et se barrer d'ici. Hein. Jake.
pour Jake. 15 pour 0. Est-ce que l'IRM et la, la radiographie est disponible? Terminé. Oui, tu peux tout faire. Ok, merci. Tessa, bon, pour Jake. Numéro 2. Ton patient Tessa, il est dans le bloc numéro 2. Je peux pas l'opérer, il me faut Jake. Williams, 01 pour 0, enfin 02 pour 01, t'es où? J'arrive. Oui, ça, ça bloc peut, numéro 2. Ouais, bloc numéro 2, opération intrapulmonaire. Vas-y, frère, je peux même pas, je peux rien faire. Attends, là, en fait, je sais pas ce qui se passe. Ouais. Jack, est-ce que t'as besoin de moi? Je vous ai tout préparé, chef. Est-ce que t'as besoin de moi ou pas? Non, c'est bon. Ok. Vous voulez que je reste pour vous assister? Ouais, je veux que tu restes. Ok. Okay. Je vous ai tout préparé, vous me dites et je vous passe. Alors mets-moi sur les écrans les IRM, s'il te plaît. Ok. Je sais pas. Voilà, devant vous normalement. Ok, donc c'est le poumon gauche. Ok. Je vais prendre ta place, tu prends la mienne. Ok. Ça va aller, monsieur. Ok. Je vais vous injecter quelque chose, vous allez vous endormir. Est-ce qu'on le... Ouais, on l'endort là. Pourquoi vous voulez opérer un cœur consciemment? Parce que là, on va lui opérer les poumons quand même. Mais d'où ça va? On l'endort. C'est pour vous dire. Bon, j'ai rien à se inquiéter là, vous inquiétez pas. Ah, ok, ok. Voilà. On attend juste un petit peu qu'il s'endorme. Oh, ouais. Ça va, nickel, ça va. C'est la merde à l'hôpital, mais ça va. Je vais juste manger, sinon je vais tomber. Ok. Ici 15 pour 02, monsieur Jake. J'ai 59, donc monsieur Jumanji. Qui, j'ai fait un IRM ainsi qu'une 01 off radio, je suis en pleine opération, désolé, contactez quelqu'un d'autre. Oui, oui, parle avec moi, Jack. Vas-y, allez-y, continuez. D'accord, alors 02. Hein? Jack, vous venez pas? Je sais pas ce qui s'est passé là. Ah non, c'était pas volontaire du tout ça. Hein. J'ai rien posé. Il a un dysfonctionnement, il a un manque de sang, il a une côte brisée, bras droit cassé ainsi que la jambe gauche de cassé. C'est fini quand le problème de coffre hier? Bah j'ai réussi à truquer hein. Ok, vous allez me passer le bistouri s'il vous plaît. Merci. Ok, reçu. Le reste sont en... C'est la Khourda là, l'hôpital des refs. Ce soir on arrête pas l'hôpital frère. Xylox, toujours à l'affût mon Xylox. Personne ne l'a pris, moi je peux pas prendre, Jack ne peut pas prendre, Diego ne peut pas prendre, Jumanji ne peut pas prendre. Ok, aspiration s'il te plaît. Je prends même pas une game. Aspiration s'il te plaît, faut que t'aspires les flûtes. Que je puisse y voir plus clair. Voilà, oups. Super. Ok, seringue de ponction s'il te plaît. Tenez. Merci. Ok, on va commencer à ponctionner. Ok. Oups. Arnaud, ça va comment, ref? Tranquille? Ah, Jack, il est pas en panique, Jack. Quand il fait de la médecine, il est toujours serein. Et là, Jack, il est bien parce que ça lui fait oublier la merde que c'est sa vie, au fait.
Ok. Encore un petit peu. À droite jusqu'au bout de salle 1, la première salle. Ok, nickel. À droite. Descends. Ok. Si vous avez besoin que ok. Tu mets en amitié du canal, tu lui envoies une poche de sang en O négatif et une suspension de rapport. Ok. On peut plus l'aller en commun, mais on peut plus. Il y a plus de chirurgien qui peut déposer là. Mais... Oh, j'ai une playlist un peu les refs. Tu veux faire un IRM, tu vois s'il a une masse dans le caveau, s'il a une masse, tu l'enlèves. C'est-à-dire pour que tu montes son crâne, exactement sur son crâne, tu perces la personne sans toucher le cerveau. Et c'est bon. Ok, vous me mettez en salle de réveil, boucle ok. Vous surveillez tout le temps ces constantes, s'il vous plaît, c'est très important. Merci. J'ai un faible pour 01 pour central, je suis à l'accueil de l'hôpital. Si vous avez besoin de moi pour quoi que ce soit, dites-le moi. Jake, j'en ai marre, j'ai pété un câble. Marre de quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai pété un câble, Jake. Tu te permets de me dire à moi, j'ai pété un câble alors que j'ai opéré 5 personnes, que j'en ai perdu une sur ma table? Je crois que je vais rejoindre mon frère. Je vais rien rejoindre du tout, va ton verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Pour 29, le 25 vous allez. Vous essayez de voir ton verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Toujours voir les choses du bon côté des choses. C'est important. Crois-moi, c'est très important. Comment je suis désolé, j'ai encore beaucoup de travail. Qui? Comment il va, Ethan? Ethan, ça va, t'inquiète pas. Ok. Merci, Jake. De rien. Non, il a été recouvert. 01 pour central, est-ce que vous avez besoin de moi tout de suite maintenant? J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu viennes dire un IRM, s'il te plaît. J'arrive. Après, moi, j'ai votre patient qui est encore sur la table d'opération qui a un pouls très faible. Qu'est-ce que je fais après? 15 mg d'adrénaline histoire de relancer son pouls. Okay. Monsieur Lonsdal, prenez une pastille s'il vous plaît, c'est désagréable, on entend vraiment tout. Ce monsieur a reçu un coup de batte de baseball sur la tête après une agression. Voilà. Je vais regarder. Mais il est conscient, il parle. Mais il me confond avec sa maman et il m'a demandé à visiter. Oui, il est avec vous. Oui, il est avec moi. Dis-moi. Je vais venir d'urgence en bloc 1. Tu dois aller en urgence en bloc 1, s'il te plaît. Donc là, je vais faire. Ouais. Tu continues. Qu'est-ce qui se passe? Il en a un cardiaque, j'ai déchargé à 200. Bon, c'est à 220 tout de suite. Je te l'ai chéri, je peux pas. Il est ouvert au niveau du ventre. Je viens de lui reconduire une artère qui était perforée. Chéri, tu me casses les couilles. Il a tout endommagé. Une artère qui est perforée, tu peux me répéter s'il te plaît ce qui s'est passé exactement 15? Alors, je viens de lui recoudre l'artère, il avait un saignement, je viens de lui recoudre, il a le ventre ouvert et il a le poumon endommagé, il faudrait l'ouvrir plus haut. Il faut qu'il vous le recoude et il en a un cardiaque. Alors je t'explique. Il faut que son cœur reparte avant toute chose. J'ai fait. J'avais perfusé.
Oui, j'ai perfusé avec une poche de sang. Là, ça me casse les couilles. Voilà, ça me casse les couilles. Voilà, je kiffe même pas mon RP. Je l'ai récupéré. Il a fait, je pense, une connerie. Il a voulu mettre fin à sa vie. Il a pris le Volvo et il s'est encastré dans une sorte de rivière comme ça au niveau du nord. Et donc, j'ai fait un IRM ainsi qu'une radiographie. Donc, j'ai détecté déjà inconscient. Il a un poumon endommagé, une hémorragie interne, le cerveau en dysfonctionnement, un manque de sang. Donc, bon, j'ai la perfusion qui est en cours. Une côte brisée, bras droit qui est cassé et la jambe gauche cassée. Voilà. Ok, donc selon toi, Diego, il faut faire quoi en priorité? Frère, lui, il va faire un truc comme ça alors qu'il y a l'hôpital qui est dans la merde. T'es ça, je te rassure. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite maintenant? Dans ton crâne, donc je vais juste. Bah là, c'est ramené déjà. 15 mg d'adrénaline, alors tout de suite, s'il te plaît. D'accord. Attention. On lâche pas le massage cardiaque. Là, j'ai injecté la carte de remettre de la morphine. Regarde s'il a un pouls. Alors attends, je regarde. Si vous avez déjà remis, non, il faut pas en remettre. Mais On a pas le choix. Tu charges à 220. Tu charges à 220 tout de suite. D'accord, attends. Hop, je charge. Tac. Attention. Maintenant. Putain. Qu'est-ce qu'il a pris? Il revient. Oh putain, non. Prends ses constantes. Alors. Ok, le cœur il est repris. Il a repris, putain. Ok, tu me stabilises tout de suite. D'accord, je mets sous oxygène. Oxygène, exactement. Ouais, hop. Hop. C'est ça, j'ai besoin de toi, bloc. Voilà. Hop. J'ai ouvert la valve. Je mets au minimum. Voilà. Oh, est-ce que ces constantes sont bien? Alors. Ça dit quoi? Dis-moi. Oui, c'est bon. Elle est pas c'est bon. Elle est pas en état. Non, c'est pas ça. Je demande pas d'opération. J'ai demandé Tessa ou j'ai demandé tout le médical. Allez vous occuper des autres, bordel de merde. Dis-moi vite. Jake, j'ai le patient qui a extrêmement mal. Jake. Normal. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai mal, dis-moi, qu'est-ce qui... D'accord. Tessa, qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, fais-moi le topo. Tu m'as dit qu'est-ce que toi tu as déjà fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, s'il te plaît? Faut que tu surveilles son poumon. Il a le poumon qui va pas bien. Apparemment, je sais pas. Ça, c'est l'IRMC15 qu'il a fait. Je t'ai récapitulé tout ce que je t'ai dit, Jake. Ok. Tu l'ouvres au niveau des poumons, Jake. Putain. Ça, non, faut tu lui ouvres la cage thoracique. On est plus ensemble, non? Si jamais le poumon est nécrosé, tu lui enlèves le bout du poumon nécrosé. Merci, je sais, je connais mon métier, Tessa, t'inquiète pas. Respire. Va, je voulais juste savoir ce qu'il fallait faire. Va te reposer, Tessa. Respire. Attends, je t'amène dans un... Je m'occupe... J'arrive, Jake, j'arrive. The Flying, ça va et toi? Je savais pas que c'est toi qui joue. J'ai pas du tout suivi ce que tu disais, frérot. Ouais, si c'est moi qui joue Jack, frérot. Comme si j'avais rien vu, Ferry, je sais pas si t'es là, mais arrête de casser. Xanix, merci pour ton follow, mon ref. Désolé les gars, je suis un petit peu malade. Ça fait 10 ans que je suis malade. J'ai ton patient là, le grand brûlé qui est dans le coma. Il est reparti dans le... Il est reparti dans le coma, oui. C'est ici? Non, c'est pas ici. Et c'est où? Non, venez. The Fly, merci pour ton follow.
À force à toi, j'espère que tu vas réussir. J'adorais les scènes avec Kaipro, PS, plus un follower. Merci beaucoup, The Flying. Merci beaucoup, c'était adoré les scènes. On fait pas mal de scènes, c'est ça qui est cool. Merci beaucoup. 15 pour Monsieur Williams, je reviens vers vous terminer. Ok, donc il n'y a pas de nécrose au niveau des poumons. Ok, super. Simplement, une hémorragie interne, il va falloir ponctionner le poumon. D'accord, je prends note aussi. Je prends note aussi. Passe-moi d'abord l'aiguille de ponction, s'il te plaît. Ouais. Voici. Merci. J'ai mité ça en salle privée. Elle se repose. C'est disponible ou pas? 15 pour Mademoiselle Brooks, je l'ai posée en salle privée, elle se repose, elle se sent vraiment pas bien, elle avait du mal à respirer. Ok, vous 15, est-ce que vous savez gérer ou pas du tout? Venez, j'ai besoin de vous en salle de repos. Je suis avec lui, là j'ai besoin de lui en assistance sur une opération, je peux vraiment pas te les laisser là. J'ai quelqu'un dans le coma et je sais pas quoi faire. D'accord, moi j'ai Jumanji qui est entre la vie et la mort, tu crois que c'est quoi le plus judicieux là sur une opération? Bah, c'est Jumanji. C'est Jumanji qui est sur la table d'opération entre la vie et la mort. Je peux vraiment pas te laisser partir avec un. Il est juste en coma. Donc dis-moi et moi je fais. Dis-moi. Si dans le coma on peut rien faire, on doit le laisser se réveiller. Il est dans le coma et il a un problème. Est-ce que il est sous assistance respiratoire terminée. 15 pour Mademoiselle Brooks, m'avez-vous reçu? Est-ce qu'il a été utilisé sous insuffisance respiratoire? Enfin, est-ce que vous l'avez mis sur aide respiratoire terminée? Oui, on l'avait mis sous... Là, on peut en faire sous, en fait, on l'avait mis en coma artificiel. Pour finir, ensuite, il s'est réveillé, donc on l'a mis sur coma artificiel. Ensuite, il a commencé à cracher du sang, donc Mademoiselle Tessa s'est réoccupée de lui. Et là, il est tombé dans un coma profond. Donc je pense que pour moi, il faut le laisser... Enfin, après, je sais pas si vous le médecin, mais moi, je sais pas. Mais bon, pour moi, il faut le laisser en coma artificiel le temps qu'il reprenne des forces. Parce que son pouls, il a pas un arrêt cardiaque. Il est juste... souvent, frérot, quasiment tout le temps. Faut le laisser. Tous les soirs, normalement, je live. Après, des fois, je prends des petites pauses. Vous m'en savez que c'est... Donc, vous le remettez en coma artificiel pour qu'il reprenne des forces et il faut le laisser. Là, il n'y a pas d'autre moyen. Terminé. Ok, d'accord. Donc, on le remet en coma artificiel. D'accord, ok. Affirmatif. Terminé.
rappel, les gars. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Est-ce qu'une personne peut prendre le dernier appel? 24, on s'en occupe. Ok, vous prenez l'appel numéro 52. Le gendarme au sol, c'est bon, c'est fait, je m'en ai aussi occupé. Et je pense que le 53 et le 54, c'est le même appel. Compris, encore pour le 52. Et le 55 aussi, c'est le même appel. Il commence à casser les couilles à faire 17 appels pour une même personne. Hein. C'est le même appel? Ok, bon, ah, je supprime. Bah oui. Donc, vous allez à la PN pour voir. Voilà. Donc, il y a... Non, ça va faire autre chose, là, je vais bouger, frère. Deux endroits, donc je veux deux personnes qui vont là-bas. J'ai pris le 52, si jamais. Ok, donc j'ai besoin d'une personne qui va sur l'autre appel. Tu me voudras pas, à l'hôpital, c'est la merde, là. Ouais, t'inquiète pas. Y'a pas de soucis. Dis-moi, tu voulais me dire quoi? Ou 02. Dis-moi... Oliver, qu'est-ce que tu 15, sais 15 pour 02 ou Monsieur Williams, s'il vous plaît. C'est oui, c'est ça. C'est ça, c'est R.P. en malaise dans la chambre terminée. Elle est en bloc 2 actuellement, terminée. Vas-y, Derek, je te rappelle après, vas-y. Je suis désolé, mais c'est la merde, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais là, il s'agirait de modérer. Bref, j'arrive. Là, il s'agirait de... Doucement, les frérots, là. T'es où, 02 t'es... Pas 02, 15, t'es où? Je suis en bloc 2, terminé. Pour ensuite, j'ai besoin de renfort sur les appels. Qu'est-ce qui se passe, Honoré, viens. Honoré, vas-y, sors, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils, il est venu me voir, il a dit que ça va pas. Et... Alors, écoute, oublie les détails, dis-moi ce qui se passe à propos de Tessa, s'il te plaît, c'est le plus important. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est tombée d'un coup. En fait, on est en train de discuter, et d'un coup, elle est tombée. Je pense malaise. Qu'elle est. Oui, c'est normal. Malaise. Elle fait que de parler de mourir. Voilà. Mais non, elle va pas mourir, allez. Je l'ai mis en aide respiratoire. Là, je viens de le mettre en chambre, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit. Elle m'a dit qu'elle me promet. Elle m'a promis qu'elle allait se reposer. Oh, putain. Elle sait pas. Elle a du mal. Oui. C'est trop là, frère. C'est trop là. Ils veulent pas me laisser faire du RP, on dirait. Ils se sont passés le mot, ça, ils veulent tous me casser les couilles. Y'a Sana qui est dit. Arrêtez ça, je te mets sur le lit. 24 à 29, est-ce que t'es là? Ok. Tu veux rester avec elle, reste avec elle. 29 pour 02. D'accord. Ok. Je te tiens au courant. Désolé, je fais mieux, mais là. Alors, j'ai pas je te comprends, t'inquiète pas, fais ce que t'as à faire. En 02, est-ce que t'as des nouvelles pour reçu un coup de patte? Oui, vous inquiétez pas. Je lui ai fait les points de suture. Je vais juste retourner pour lui dire qu'il peut, bah, qu'il peut rentrer chez lui. Deux petites secondes. Bien reçu. Il arrive quoi que ce soit, tu m'appelles, d'accord? Non, je sais, y'a pas de problème. Je peux vous aider, monsieur? C'est pour savoir comment va Ethan, monsieur. Ça va, vous inquiétez pas, tout va bien. Il est juste stable, il est en salle de repos, ok? D'accord. Voilà. Vous inquiétez pas, tout va bien. Je vous remercie. Je vous en prie, tout va bien. Tout va bien pour monsieur. Oui, oui, c'est pour Ethan, oui. Oui, tout va bien. C'est la pire soirée de ma vie, je crois. Hein. Ouais. Je vais juste prendre une petite pause parce que là, faut que je pense à des trucs. Vas-y, va te reposer. Là, c'est trop les refs, voilà, c'est trop là.
Merci. Jack, pour centrage, je bouge de l'hôpital. Si vous avez besoin de moi, vous me rappelez. Merci. Allô. Ce monsieur là. Jake, pour Central, est-ce que vous pourriez ranger les ambulances, s'il vous plaît? Parce qu'elles prennent de la place pour rien, merci. Ah ouais, faut que je me casse de l'hôpital. Ouais. T'es où? Attends, je te rappelle, bouge pas. T'es où? Du coup, je te disais, genre, t'es où? Sens comme t'es où? Humeur, toi. Moi, je suis au Moulin Rouge. En train de discuter. Vas-y, vas-y. Pas sûr, frérot, là, j'ai pas vraiment envie de me bourrer la gueule, frérot. Ouais. 38, vas-y, j'ai plein de patients inconscients devant l'hôpital, là, je n'ai pris un, j'ai mis dans le bloc. J'ai pas qui s'est passé, descend. C'est la peine qui a pris en charge. Non, vas-y, viens, va ailleurs, s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller là, c'est pas le moment. Vas-y, tu me redeposes là, après. Il va pas me casser les couilles, il va me dire que je suis en train de m'amuser alors que l'hôpital est en train de partir en couille. Raton Games, merci beaucoup pour ton follow. Du coup, je me disais, qu'est-ce que tu penses d'Oliver un petit peu? C'est un jeune plutôt sympa, un peu con, mais très intelligent. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Il a la tête sur les épaules. Pourquoi? Dis-moi toi. Est-ce qu'il est digne de confiance, ce mec-là? Honnêtement? Honnêtement. Ça dépend pourquoi. Dis-moi. Au niveau des femmes, est-il digne de confiance? Moi je pense, mais c'est quoi l'histoire? Je raconte l'histoire, après je te réponds. Disons que... Hier, ouais, Oliver il est con, mais il est très futé. Oliver, en tête à tête. À quel sujet? Qu'est-ce qui lui... qu'est-ce qui nous rapproche, moi et Oliver? 15 pour 01 ou 02, j'aurais besoin de vous, s'il vous plaît. Il s'avère qu'on s'est rendu compte que c'était une petite peste, finalement. Mm-hmm. Parce que tout ce qu'elle me dit à moi et tout ce qu'elle fait avec moi, elle le fait avec lui, inversement. Tout ce qu'elle lui dit, elle me le dit. Tout ce qui... tout elle... très étrange. Et je voulais savoir si... si jamais, par exemple, j'avais prévu quelque chose avec Oliver, est-ce que tu penses qu'il est digne de confiance ou non? Pour ceux qui cherchent Tessa, elle est en salle OPR pour oui. Pas ici. Parce que bizarrement, il me répond pas ce soir. Je trouve ça très étrange venant de sa part. Peut-être qu'il est pas là. C'est possible qu'il soit pas là, hein, tu sais, on est pas tous. C'est pire que le fils de Grinchia, ouais, c'est vrai que c'est possible. Mais. Je sais pas. En je sais cas, pas si, si je dois lui faire confiance. J'aimerais bien être là. Je vais faire une petite radio à monsieur qui s'est pris un coup à la côte. Il s'est pris un coup par un policier avec une matraque. J'aurais bien aimé être là. Ah, dans ce cas, tu seras là. Si ça se fait. Écoute. Si elle avait pas fait ça avec toi, on n'aurait pas fait ça pour elle. Si tu vois ce que je veux dire. Je sais. Et si j'avais pas fait ça pour elle, je serais encore avec Maïma aujourd'hui. Parce que Maïma, c'est terminé direct. Tu te rends pas compte à quel point je suis triste. Même si je le laisse pas paraître. J'avais tout et j'ai plus rien. Je connais ça. Est-ce que je peux avoir des nouvelles de Tessa, s'il vous plaît? Elle va bien, elle va bien. Ok, merci. Vraiment, je...
Bref. Vas-y, ramène-moi, je vais continuer à discuter avec les. Avec les collègues. Quels collègues? Mais des. Des personnes que je connais. Pas, pas des collègues de travail. Vas-y. Tiens-moi au jeu, si jamais tu fais quoi que ce soit, je vais en être. Ouais, t'inquiète. T'en seras. Vraiment, si jamais tu fais quoi que ce soit, je vais en être. Ouais, t'en seras. T'inquiète. Ah oui, je me suis bloqué au fait. Oh non, là, je peux sortir. C'est pire que le fils de Grinchien, voilà. Bon, le patient que j'ai pris en charge et que j'ai pris en radio, il a pas de code cassé, mais il a une fêlure. Donc, pour ça, est-ce que je dois lui mettre un corset, c'est bien ça? Non, rien du tout, tu l'es. Non, absolument rien, tu lui laisses faire. Tu peux rien faire. Si tu mets corset, tu vas le bloquer. Ok, d'accord. Donc je lui donne quoi? Une pommade contre les coups? Le problème, quand c'est une côte fêlée, tu dois laisser comme ça à l'air libre. Même si tu mets des. En fait, donne-lui des antidouleurs, mais tu peux rien faire de plus. Sinon, donc antidouleur et crème pour son cou, c'est ça? Pour les coups? C'est ça. Ok. Ah, il m'énerve à garer les ambulances comme ça. Le prochain qui gare son ambulance n'importe comment, je vous jure, ça va barder, s'il vous plaît. Faites un effort. Docteur Jack. Comment allez-vous, monsieur docteur Rachid, comment vous allez? Bah écoutez, très bien, très bien. Ça fait une éternité que je vous ai pas vu, monsieur Rachid. Bah c'est exactement la même chose que j'allais vous dire. On a deux agents. Ça va? Bah très bien, et vous? Pfff. Un peu débordé. Exactement, très débordé. Ah. Est-ce que Léo est là? J'ai bougé les yeux. Ah, Léo. C'est pas éternel. Ah, mais il est là. C'est pas éternel. Bah, je vous laisse un petit instant, ok? Y'a pas de soucis, docteur Jack. Je vais bosser un petit peu. Il n'y a pas de souci. Bon courage, force à vous. Et monsieur, ouais. Monsieur Larue, vous l'avez de ses nouvelles? Bah écoutez, je l'ai vu tout à l'heure, il était au quartier un petit peu et je sais pas, il a dû retourner à son appartement, je sais pas du tout. Ah, ok, bah, je n'en ai pas plus que ça. Bien de l'avoir, ça avec grand plaisir. Ok, bah monsieur Rachid, je vous appelle au cas où vous n'avez pas toujours le numéro. Oui, bien sûr, j'ai toujours le numéro. Faudrait que je vous appelle tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Y'a okay, pas de soucis, je suis là, y'a pas de soucis. Eh bien, à tout à l'heure, merci, monsieur. À tout à l'heure. Bon courage à vous, monsieur. Merci bien. Y'a le patron. Vous avez tous passé. C'est la khara ce soir, les frères. Je m'en occupe, hein, Jake. C'est okay, juste okay. Un petit. Bonsoir, monsieur. Je peux vous aider? Oui, j'ai mon collègue. Le dernier appel, s'il vous plaît. Éternel, j'aimerais vous savoir si c'est possible d'aller le voir, s'il vous plaît. 38, je prends l'appel. Ok, très bien, pas de soucis. Mais pour l'instant, la personne qui se. Ah, merci beaucoup, monsieur. Juste, allez-y, s'il vous plaît. Oui, je reste pas longtemps.
Ok, donc l'appel a bien été pris. Les appels qui ont été pris, je veux que vous les supprimez, s'il vous plaît. Tu sais où est Lucas ? Solaire. Yeah, à tout de suite. Vas-y, je suis là, je suis devant. Docteur Jake, dites-moi tout. J'aurais grand besoin de me détendre, si vous voyez ce que je veux dire. De vous détendre ? Ouais, je vois. Ah, de la grosse détente, c'est ça ? Ouais, de la grosse détente, exactement. Écoutez, je crois que... Ah non, j'ai que des cigarettes sur moi. J'ai que... Il conduit à la ZUB, lui, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, airbag sorti et tout. Putain de merde. C'est pas grave. Merde. What the S ? On en parle un peu plus tard, il y a du monde là devant l'hôpital. Ouais, vous êtes sûr ? Ok. Ouais, je vous appelle tout à l'heure. Y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. Pour l'appel que j'ai pris là, c'est tout à l'heure, passe à l'hôpital, donc je la supprime. Bonsoir. Bonsoir monsieur Williams. Vous avez besoin d'aide, je peux vous aider ? Bon, on a ramené des gens, on attend le capitaine. C'est pour l'appel 58 si personne l'a pris. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur, comment est-ce que je peux vous aider ? Non, on s'occupe de monsieur. Ça vous dit rien, votre petite golf à vous amuser avec les... Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous embêter, mais si vous pouviez juste déplacer vos véhicules, merci beaucoup, c'est l'accès aux véhicules urgents, c'est super, merci beaucoup. Bah venez, on discute comme ça, c'est pas possible. Ok, c'est bon. C'est comme tu dis, c'est bon, pas les couilles. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est souvent. On en reparlera si tu veux. Non, mais je vais éviter de parler de Chichang Chung. Oui, ok. Ah bon? Ouais. C'est pas le moment. Ok, parfait. C'est vraiment pas le moment. Ok, il y a pas de problème, tu peux juste enlever la main que tu mets dans ta bouche quand tu parles parce qu'on sent que. Excuse-moi. Ok. Chire un peu les dents. C'est vrai que ça va. Y'a pas de soucis. Crois-moi, après la soirée de merde qu'on a eue, crois-moi que nous aussi on serre des dents là. Ah bah crois-moi que oui. Hein. Mais c'est tout. Ah, vraiment soirée de merde. Ça, est-ce qu'il y a encore des patients soignés ou tout est bon ? Tu vas venir avec moi ? Moi ? Ouais. On t'appartient ? Pas pour le moment, là j'ai vous en ramener d'autres patients. Je vais sur la tendance d'un accident. Ah ouais, t'inquiète, je vais dire. Viens, monte sur toi. À demain. À demain. Viens, monte sur toi. Ok, à demain. Oh Pyram, comment ça va mon ref ? La pêche ? Qu'est-ce qu'il y a 33 ? Tu te fous vraiment de ma gueule toi. Pourquoi ? Ça va traquer mon petit Pyram ? Non, t'as couché avec Tessa. Moi je te dis ouais, oui. Par contre voilà, la vie de maman tu le dis pas. Et Tessa me dit quoi aujourd'hui ? Ah mais c'était un contexte qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de contexte, tu me dis au final tu me mets à l'envers. C'était vraiment obligé. Franchement je prends game mal. Faut pas le prendre mal, écoute, j'étais vraiment obligé de le dire. Parce que je me suis rendu compte qu'elle m'avait menti sur beaucoup de choses et elle arrêtait pas de me dire vas-y sur quoi je t'ai menti, tu vois. J'étais obligé de lui donner des preuves que je savais des trucs qu'elle m'avait menti ou tu vois. Je pouvais pas lui passer comme ça, tu vois. Mais tranquille. Ah ouais, hein, mais toi, tu viens me parler en plus. 29-01, il y a un John Will qui est venu. Franchement, 33, dis-moi la vérité. Mais tu sais que je l'ai pas dit pendant 2 semaines que je savais, hein. Ouais, mais bon, après, on va s'en. Voilà, quoi. Enfin, bref, de toute façon, maintenant, c'est plus un secret pour personne. Exactement, on s'en perd, exactement. Enfin, bon, ça va, toi ? Un bon coup, au moins. Bref, tout est relatif, hein. Cette phrase, tu la sors tout le temps, putain. Arrête. Alors, est-ce que ça va si je te dis que je suis plus avec mec, que ma famille elle part en couille, que mon fils il me casse les couilles ?
Eh, par contre, ton fils, je vais lui déclaquer sa mâchoire. Du coup, le patient, il a disparu. Fais ce que t'as à faire. Attends, gros, il dit quoi? Il dit, oui, j'ai une sextape de toi et Tessa. Ça veut dire que le gonz, il nous a filmé? Je suis désolé, mais ça, c'est me manquer de respect et c'est me niquer. Hein. Moi, j'apprécie pas du tout, hein. Je te le dis sincèrement. Hein. 29, je fais une pause. C'est plus mon problème. Par contre. Pour 15, est-ce que c'est tout bon pour lui ou je dois aller te proposer plus Pépito, merci, Pépito. Pépito, faut que je te parle après. Hein. Pépito, il va falloir que je te parle juste après. Est-ce que je peux avoir des nouvelles pour 15? Bisous, merci pour ton follow. 02 pour 15. Bienvenue dans l'équipage, les refs. Oh, Jack. Qu'est-ce qu'il y a? Je te dis, ton fils, vous arrêtez de lui parler ou ça se passe comment là? 38, je prends l'appel 52. Que je l'ai mis loin de moi, frère. Comment je viens de te dire, ouais. Je suis plus avec May, donc tu vois. Yo Pépito, faut que je te parle tout à l'heure. Entre nous, ça a toujours été compliqué, mon live. Votre famille. Ouais, c'est bien plus compliqué que tu ne le penses. Mais d'ailleurs, ça va votre voyage là? Bah écoute, on a voyagé, on a fait une petite vacance. On pensait qu'on serait revenu mieux et. Au final, c'est encore pire. Ouais. Bah écoute. Non mais je pensais que, bref, moi par rapport à ça, je pensais que t'aurais tenu ta langue, mais c'est pas grave. Si tu m'en veux, je te demande pardon, mais là vraiment j'ai un milliard de choses à penser que cette foutue bougie de merde. Non mais de toute façon je me bats les couilles, maintenant tout le monde le sait. Je te jure que là vraiment j'ai d'autres choses à penser que ça. Je viens de perdre la femme de ma vie. Et le pire c'est que c'est de ma faute. Oui mais c'est pas la première fois que j'entends ça, hein, non? Ah non, je te garantis que là, cette fois-ci, malheureusement, c'est bel et bien fini. Ouais, écoute, on va pas te dire, genre, faut que tu te rattrapes et à part te dire, essaie de réparer tes erreurs, c'est tout ce que je pourrais te dire, mais bon, après, si t'as fait des grosses erreurs, il y a des trucs qui sont... Il y a exactement là, des fractures que tu peux pas réparer, malheureusement. Bah, quand c'est comme ça, essaye de passer plus à autre chose que... Après, je te dis ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais... Ouais. Essaye d'observer tous les charognards qui vont tourner autour de moi maintenant. Bah. Essaye vraiment d'observer. Non, mais ça, on est d'accord. Et ça, il va falloir que tu prennes sur toi. Hein. Là. C'est pas grave. J'accepte. On n'est plus ensemble. Ça veut pas dire que je l'aime plus. Ça veut pas dire qu'elle m'aime plus. C'est qu'on s'est tellement aimé qu'aujourd'hui, on se déteste, malheureusement. Comment dire, il y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Hein. Ouais, j'ai bien franchi le pas, malheureusement. C'est ouais, dommage parce que même moi je la vois difficilement. Ouais voilà, je la vois qu'avec toi. Personne d'autre, je te jure que je la vois avec personne d'autre. Mais... Si ça doit arriver ça. Est-ce que quelqu'un a pris le dernier appel s'il vous plaît? Non pas encore, je suis sur un autre appel là. Oui, est-ce qu'une personne peut prendre le dernier appel? Après je te dis ça ensemble, entre nous. Je commence vraiment à m'énerver parce que les appels ne se prennent pas. Je pense que t'es mis énormément. J'ai pas envie qu'on perde plus de personnes ce soir. Donc s'il vous plaît, quand vous voyez un appel, réagissez. Si. Moi quand t'as été commandant, t'as assuré que ça se voyait qu'elle était très folle. Ok, mais je parle pas que pour vous, je parle pour tout le monde. Je voudrais passer à autre chose, quelqu'un d'autre. De toute façon, je vais te dire, Jack, hein. Dans chaque relation, on est tous le pansement de quelqu'un d'autre. Hein. Enfin, on est tous le pansement de quelqu'un. 74, je prends l'appel 62. Ok, bien reçu. Enfin, après, même, comme on dit, rien, enfin, tu peux, je sais pas. On sait jamais, on sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais, on verra.
te l'ai toujours dit. C'est l'appel, même appel que tout à l'heure, le mec qui a disparu. Là, il n'y a personne. Ça va être délégué. Alors, s'il n'y a personne, il faut vraiment vous regarder un petit peu tout autour. Vous savez, des fois. Mathéo, merci pour ton follow. Il y a des petits soucis. Quoi. Oui, mais si tu avais avec un monsieur, c'est un monsieur qui avait appel à nous. Et ouais. Il a dit que la personne avait disparu. Ah d'accord, ok. Frisco, merci pour ton follow, mon ref. Je sais pas quoi dire, désolé. Tu m'as donné envie de fumer en vrai. La fume. Ouais, j'irai voir après Maëlys. Oh, je sais plus. Je sais même plus où on en était tous les deux. Je sais exactement où on était. Ah, dis-moi. Malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé entre nous. Dernièrement. Il faut pas que tu fasses table rase du passé. C'est très compliqué, Jack. Je sais, mais. Mais comme t'as pu le voir encore ce soir, j'en ai sauvé bien plus des vies que j'en ai enlevé. Alors moi, ça n'excuse rien. C'est pas une raison, c'est ton travail, c'est ton métier, t'es médecin. C'est pas mon métier. De base, moi j'étais avocat. Ouais, mais là, si j'ai décidé de sauver des gens, c'est pas pour rien. C'est justement pour ternir ce côté sombre. Tu crois qu'en sauvant des gens, ça va enlever vraiment ce que t'as fait? Non. Voilà, t'as ta réponse. Mais je le fais quand même. Ouais, mais si tu le fais juste pour te donner bonne conscience, ça sert à rien. Non, je le fais pas pour me donner bonne conscience. Et arrête d'être aussi méchante avec moi. Je mérite pas ça. Je suis pas méchante, je suis juste... UMH 74, je rentre au CHU pour des soins complémentaires. Bien reçu. Je suis loin de mériter ça. J'ai pas compris. Je suis très loin de mériter ça. Non, je suis loin de mériter ça. Je sais pas. Malgré ça, essaye de te rappeler quand même les bons côtés qu'il y avait en moi. Ouais, mais à partir du moment où déjà tu fais des choses comme ça, et en plus que tu me caches une chose, c'est énorme. Ici 15, est-ce que vous avez potentiellement juste des nouvelles de Tessa terminées? D'accord, alors oui, d'ici 01 pour 15, si t'étais pas sur le toit et que tu serais en train de travailler, peut-être que t'aurais eu des nouvelles de Tessa. Bien reçu, 01, terminé. Par contre, les personnes qui prennent les appels, merci de les prendre et les supprimer, s'il vous plaît, merci. Je mets ma radio, hein. Ça commence à me casser les couilles. Ouais, mais moi je peux pas. Tu vois. Juste le temps qu'on discute. Ouais, mais bon. Si je leur dis pas quoi faire, il y a personne qui bouge. Quoi qu'il se passe. Oublie pas qui j'ai été pour toi. Et qui t'a été pour moi? Je pense pas que ce soit ça le problème. Je te parle pas de problème, je te demande juste de pas l'oublier, c'est tout. Mais c'est comment tu veux que... Je peux pas passer à côté, c'est... Passe pas à côté, j'accepte la rupture. Écoute-moi. J'accepte la rupture. Je te jure, je vais être professionnel avec toi. Non, sans parler de professionnalisme, là je te parle pas de patron à copatron, je te parle de Jake à May. Non, Jake Amey, ça a été juste une erreur. Je peux pas te laisser dire ça. Si. Non. T'es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, c'est pareil. Ouais, tellement belle que t'as pas su me faire assez confiance pour... C'est pas une question de confiance. Pour cacher un truc énorme. Arrête. Non, si je te l'ai caché, c'était pour éviter justement ce à quoi on arrive aujourd'hui. Ouais, bah peut-être que tu m'aurais pas caché, ça serait pas arrivé. Tu vois, t'aurais pu m'en parler, on avait plein de moments ensemble, et t'aurais pu tout me dire. Mais t'as préféré tout me cacher.
Et tu vois, le fait que on je fait tous entendu... dans la chambre, on fait tous des choix dans la vie, mais bon, non, mauvais. Désolé. Là, bon, c'est mauvais. Pas. Là, c'est pas. Oh, oui, c'est j'ai... pas. C'est pas un choix. Tu vas me laisser. Est-ce que tu peux me laisser parler, s'il te plaît? J'en ai marre qu'à chaque fois que je parle, tu me laisses jamais finir une phrase. C'est comme si j'étais accroché à la corde au cou et que je peux rien faire. Je suis ligoté, je peux pas bouger. Je peux même pas m'exprimer. Je t'écoute. Ce que j'ai fait, c'était pour éviter justement qu'on y arrive là, à ce qu'on est aujourd'hui maintenant. Et comme je te l'ai dit juste avant, t'es la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ça, que tu le veuilles ou non, c'est la vérité. Et quoi qu'il arrive, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai, peu importe là où on en est aujourd'hui. Là où on en sera dans 20 ans, dans 30, 40, 50 ans, je t'aimerai toujours. Mais j'ai jamais dit. Et je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Ce qui se passe actuellement, c'est de ma faute. Attends, deux secondes, deux secondes. Ça parle en radio. Vas-y, tu disais. Je t'ai dit, moi aussi je t'aime. Et je t'aimerai peut-être toute ma vie. Mais il y a des choses que je ne peux pas passer à côté. Je suis désolée. Je suis d'accord avec toi. Mais ce que je te demande, c'est juste de faire en sorte qu'on soit pas comme si on s'était jamais connu. Mais comme je t'ai dit, je garderai tout mon professionnalisme. Je te parle pas de professionnalisme. Je te parle de sentiments, la meille. C'est rien à voir avec les sentiments. Je te parle de même si on n'est plus ensemble. Je veux pas qu'on fasse comme si on s'était jamais connu. C'est pas le cas. Non, c'est normal, Xylox, t'es sérieux ou quoi? Pense IRL, frère. Pense IRL, t'es un ouf, toi, c'est normal qu'elle me pardonne pas. Je veux juste qu'on soit amis, que tu fasses quand même partie de ma vie. Oui, oui, vous pouvez. Reality, merci pour ton follow. Je veux juste que tu fasses partie de ma vie. Mais à quoi ça servirait? Je peux m'expliquer? Ça servira à rien du tout, juste à nous faire mal. Mais non, ça me fera pas mal. On va juste se faire mal l'un à l'autre. De toute façon, non, depuis qu'on se connaît, on se fait. C'est faux. C'est faux. S'il te plaît. Tu te mens à toi-même. Tu te mens à toi-même. On se fait pas du mal, mais. Regarde-moi quand je te parle. Non. Regarde-moi, s'il te plaît. C'est compliqué, on s'aime tellement à se faire mal, tu vois, j'ai... Justement, peut-être que la relation qu'on avait, la nature de notre relation, c'était pas la bonne. C'est tout. Je veux pas faire comme si t'avais jamais existé. Ce serait comme effacer une partie de moi et ça, je veux pas. Et je t'ai toujours dit que t'étais mon âme sœur. Peu importe ce que j'ai pu faire. Peu importe ce que tu as pu faire. Mais j'arrive pas à imaginer ma vie une seule seconde sans toi. On est réel, il arrive, il a besoin de nous parler. Ouais. Ah non, fait rien à voir avec l'hôpital. T'as dit quoi? Comment ça va? Comme tu peux le voir. Comment veux-tu que ça aille alors que notre propre fils. Bref, j'ai pas envie de parler jusqu'à ce que j'écoute ce que t'as à dire. Ah ouais, tu peux prendre une pastille. Non, non, Ferry, c'est juste rien à voir, frère. C'est rien à voir avec ce qui s'est passé ce soir à l'hôpital, là. C'est juste, c'est la merde totale là, frérot. C'est la charia totale entre May et Jack déjà depuis hier. C'est bon, quoi?
Car Jack et May, ils sont plus ensemble. C'est bon là. Ouais. Ok, ben laissez-le dans. C'est un coma artificiel. Ok, ben laissez-le le temps qu'il reprenne des forces, s'il te plaît. Merci. On t'écoute. Tu... Comme si c'est, je suis parti à Paris. Ouais. J'ai des morts, mais mes vrais parents. Je pensais que tout allait se passer bien, mais ça s'est passé autrement. Mon père a pas été très heureux de me voir. Il a commencé à me crier dessus. Et... quand ma mère a entendu ses cris, bah elle est venue. Quand elle est venue, elle m'a dit... Attendez deux secondes. Les gars, je offre à Joe... C'est bon. Oui, oui, je t'écoute maintenant. C'est juste que voilà, je préfère éteindre ma radio pour vraiment être attentif à ce que tu racontes. Okay. Du coup, quand ma mère elle est venue, bah, elle m'a reconnu et elle a voulu me prendre dans ses bras. Sauf que je l'ai repoussé et... mon père, il a pas aimé que bah, ma mère veuille me prendre dans ses bras. Et il a commencé à me frapper. Quand il m'a frappé, bah... j'ai eu une haine, une colère qui est montée en moi et... je l'ai tabassé. Je l'ai laissé sur le sol. Et ma mère s'est mise à pleurer. Et quand ma mère s'est mise à pleurer, bah... il y a une personne qui... est venu les voir. Et cette personne-là, bah, c'était mon petit frère. T'as un petit frère ? Oui. Mon petit frère qui... qui a 8 ans. Donc maintenant, bah... ma mère m'a expliqué pourquoi il m'avait abandonné. Parce qu'il attendait... mon petit frère. Et mon père voulait pas que... il ait une mauvaise influence sur lui. Comme j'ai un problème mental, et bah... il a préféré m'abandonner. Et quand j'ai vu mon petit frère, et bah... il m'a reconnu. Ma mère m'a raconté que... elle lui avait tout dit sur moi. Mon petit frère savait très bien qui j'étais. Qu'est-ce que j'avais. Et qu'est-ce qui s'était passé? Frère, il a commencé à courir vers moi et m'a pris dans ses bras. Mmh. À ce moment-là, bah, j'étais bloqué et j'étais en colère en même temps. Et quand mon père, et bah, il a vu que ses frères m'a pris dans les bras, et bah, il a commencé à s'énerver et il m'a menacé. Comme j'avais un couteau sur moi, bah, quand il m'a menacé, bah, j'ai mis un coup de couteau. Et maintenant le problème c'est que je sais pas s'il est en vie ou s'il est mort. Et je me sentais coupable. Du coup bah, j'ai préféré vous fuir. J'avais peur que vous me jugiez. T'as préféré nous fuir plutôt que de venir nous voir? De nous faire passer pour ce qu'on n'était pas? De nous donner des ordres? De te laisser embarquer par Derek? J'ai de courant rien de tout ça, moi.
Si j'avais su, je t'aurais même pas laissé y aller. Je sais. Ton comportement d'hier nous a extrêmement déçus. Et je vais te dire la vérité, Honoré. Quand je t'ai laissé partir, je t'ai laissé partir à contre-cœur. J'étais là à me demander, après tout ce qu'on a fait pour toi, après tout ce qu'on t'a donné, tout l'amour qu'on t'a donné, toute l'affection qu'on t'a donné, comment t'as pu justement avoir eu envie de retourner voir les parents qui t'ont maltraité, qui t'ont mis à la rue. Mais j'étais trop faible et trop apeurée par ce qui pourrait se passer si tu n'y allais pas. Et aujourd'hui, malheureusement, je regrette aussi de t'avoir laissé partir. Le problème, c'est que si je suis allé là-bas, c'est pas pour les voir eux. J'avais besoin de réponses. J'avais besoin de savoir pourquoi. Mais tu sais, le fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé là-bas, et que tu reviennes, et que tu nous prennes de haut, que tu nous traites comme des chiens, que... j'avais l'impression d'avoir tout perdu. Que tu aies besoin de réponses, il n'y a aucun souci. Vas-y, Mélisse. Je sais ce que ça fait. Quand on a besoin de réponses, on est dans l'obligation de chercher, on est obligé d'essayer d'en trouver. Mais le fait que tu reviennes et que tu nous traites de la sorte, personnellement, j'ai pas compris. On a tout fait pour t'honorer. Je sais. Le problème, c'est que j'étais énervé. Je savais pas ce que je faisais. Mais il faut savoir faire la part des choses. Que tu sois énervé, que tu sois frustré, que t'aies la haine, la rage, ça on peut le comprendre. Mais si t'étais venu nous voir pour nous en parler, et pas à faire le mystérieux comme tu l'as fait avec nous. Mais hier t'étais là carrément à nous faire... à te croire dans un jeu, vous avez 5 minutes pour arriver, sinon... J'ai aimé, c'est fini les frérots. Mais c'est mort. Là j'essaie de négocier une amitié, mais c'est hard. Tous les jours, on est... On a le temps ou la capacité justement de venir au timing que toi t'as envie. Oublie pas qu'on a un hôpital à diriger, on a des patients des fois qui sont sur la table. On peut pas céder à tous tes caprices. Je comprends, mais tout ça c'était pas ma faute. Oui, c'était mais maintenant... Arrête de remettre la faute. Écoute-moi, Honoré. T'es assez grand. Il faut pas que tu remettes grand. La faute sur les gens. T'es quand tu fais des erreurs, comprendre. Il faut assumer tes erreurs. C'est de ta faute, c'est celle de personne d'autre. C'est toi qui as réagi comme ça, personne t'a forcé à le faire. Alors oui, c'est de ta faute, et je suis pas là pour te passer la pommade. Ce que t'as fait, c'était extrêmement décevant. C'était même attristant. Et tu peux pas t'imaginer ce que j'ai ressenti moi hier. Ni moi, ni ta mère d'ailleurs. Parce que tu le veuilles ou non, c'est elle ta vraie mère. Que tu le veuilles ou non, c'est moi ton vrai père. Je sais. Peu importe ce qu'ils ont pu représenter pour toi dans le passé. À l'heure d'aujourd'hui, c'est nous. À l'heure d'aujourd'hui, c'est nous qui nous battons pour toi. Je sais, Darkseid, je sais très bien pourquoi tu dis ça. Petit coquin. On s'est crevé le cul pour toi. Et je me recreverai le cul pour toi. Je pense que ta mère, elle en fera autant. Mais tu vois, là, tu nous as énormément déçus.
Et il faut que tu saches qu'aujourd'hui, ton père et ta mère, ils sont plus ensemble. Quoi? C'est pas à cause de toi, c'est à cause de moi. Y a pas que toi qui fais des erreurs dans la vie. Explique, Céline. Il y a certaines brisures dans la vie que tu peux pas réparer. J'en ai déjà possible, papa, c'est toi qui me l'as dit. Malheureusement, pour cette fois-ci, j'en ai bien l'impression. T'as de la chance, Honoré. Parce que nous, on était parents. Et on peut pas rompre avec un enfant. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus, ça veut simplement dire qu'on s'aime trop avec ta mère. Ouais, et des fois l'amour... Y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Et là, vaut mieux limiter la casse avant qu'on se déteste réellement. Quoi que t'aies pu faire, fiston, moi je te pardonne. Mais je vais te demander qu'une seule chose. Aie confiance en nous. Il n'y a que nous pour soulager tes tracas, tes peines, ta colère ou ta rage. C'est pas en écoutant Derek. Et sache que peu importe ce qui peut arriver, et peu importe le fait que moi et ton père on n'est plus ensemble, on t'aimera toujours autant. Aussi. Putain les gars. Ouais. Est-ce que vous avez parlé à Derek? Non, je vais justement, je dois aller te voir là. Faut que vous alliez lui parler, il est pas bien. Ouais, j'y vais là. On peut y aller ensemble ou tu veux y aller toute seule? Non, apparemment il a quelque chose à me dire avant. Ok. En tout cas, Honoré, sache que je t'aime et que rien pourrait changer ça. Même si je te dispute, même si je fais de mauvais choix, même si peu importe ce que je fais, je t'aimerai toujours et tu seras toujours mon fils. Toi aussi, tu seras toujours ma mère. Je veux juste pas que vous pensiez que j'ai été là-bas parce que je vous aimais pas ou... J'ai jamais pensé ça. Autre chose. Comme je vous l'ai déjà dit, vous deux, c'est vous deux mes vrais parents. Et on le restera toujours. Exactement. Malheureusement quand même, c'est ce que tu nous as pas fait comprendre hier. Ouais. Je sais. J'ai fait les choses mal et... Tu sais, on se rend compte. On fait tous des erreurs, mais... Le plus important, c'est de les reconnaître. À partir du moment où tu reconnais tes erreurs... C'est pour ça que je viens vous voir. Oui. Oui, dis-moi. J'ai déjà perdu ta mère, j'ai pas envie d'avoir à te perdre toi aussi. C'est... Non, ça va pas être compliqué. On va rester professionnel. Mais c'est pour ça, faut qu'on reste amis, tu vois. Je sais que on pas. Est plus ensemble, mais reste amis. On est perdu. Vas-y. Oh, que ok, c'est ok, ok. Bah, il arrive. Y a 07 qui s'est pris une balle et il a inconscient. Quoi? Oui, il est en bas. En bas, en bas. Ouais, mais du coup, moi j'ai appelé Meg. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je me suis pris une balle dans la jambe. Ouais, t'es bien debout pour 07 quand même. C'est un grand gars. Oui, bah ça va, hein. J'ai retiré mon t-shirt pour mettre autour de la plaie. Hein. Ouais. Ah, vous êtes un crack, par contre, faut pas faire de garrot, monsieur. Ça peut risquer une amputation.
Oui, bah j'avais pas trop le choix. Je comprends parfaitement. On était dans le nord. Tout de suite. Ah ouais, faut que ça vous j'y arrive tout de suite. Ouais, ouais, mais du coup, ce con, il s'était mordu la langue, c'est pour ça qu'il nous répondait pas là. Ah ouais, ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que je vous dis, bah. Ça va aller, vous en faites pas. Je suis désolé, c'est vraiment la merde ce soir. Allez, vous pesez votre poing. Bah oui, et puis. Ah, merci. Je vous en prie, allez, je vous aide à vous mettre sur la table. Attention. Ouais, ça me dure de la feuille ici. Ouais, il faut. Non, mais de toute façon. Allez. Voilà. Okay.